Donc, je voudrais juste vous demander de me dire les trois premiers mots auxquels vous pensez quand vous pensez à négociation. Réflexion peut-être, argument et compromis. Dialogue, communication, respect. Rencontre. Échange. Et donc, solution quelque part. Je voudrais savoir ce que ça vous évoque quand on parle de négociation. Quand il y a un problème qui est évoqué, il y a plusieurs personnes qui sont avec des avis différents et négocient pour se trouver une meilleure solution ensemble, quoi. La négociation, pour moi, c'est se mettre d'accord, c'est vraiment négocier pour la paix, pour le bien-être des hommes. Alors, je pense premièrement au marché et à l'économie. Je pense aussi très facilement au petit marché dans les villes, essayer d'avoir les produits moins chers et les trucs du style. Je vais d'abord penser à négocier des contrats. Et après, ce qui me vient à l'esprit, c'est la négociation en cas de conflit, de guerre. Et essayer de négocier plutôt que de faire de la guerre et de choisir la voie pacifique. La négociation peut se retrouver aussi au niveau social et pas uniquement au niveau politique. On peut retrouver ça dans les domaines privés, publics, au niveau des entreprises. La négociation, c'est aussi l'art de pouvoir concéder certaines choses qu'on n'aurait pas pu faire avant la négociation avec la personne. Quand j'entends négociation, j'entends négociation gouvernementale et tout ce qui va avec. Je pense que dans la vie, on est toujours amené à négocier, que ce soit au travail ou même dans un cadre un peu plus privé, avec sa famille ou ses amis. Et donc oui, on est amené à négocier un peu partout, dans tous les jours, si je peux dire. Le partage des idées, chacun dit ce qu'il pense. Et puis il y a des arguments pour, des arguments contre. Et à partir de là, ils essaient de trouver un terrain d'entente. Ça pourrait être entre les parents, ça peut être avec des amis. Ça peut être pour le travail, c'est un peu pour tout en fait, dans la vie de tous les jours, on l'utilise tous. C'est une question fort générale, je crois que la négociation est tous les jours, à tout moment, et dans toutes les circonstances de la vie, on doit négocier avec les personnes avec lesquelles on vit, on doit négocier au guichet lorsqu'on se présente dans une administration, on doit négocier en affaires avec un client ou avec un fournisseur, avec la banque ou avec un assureur, donc la négociation est omniprésente, c'est un sujet crucial.